C'est pas Pilu. Stream a du mal chez toi. Tu drop pas de frame, donc ouais effectivement je pense que ça vient de chez toi. Parce que moi j'ai pas de problème de frame droppé ou je sais pas quoi. Bon, j'ai vraiment l'impression qu'on peut pas wall jumper ce putain de jeu. Ah si, putain attends mais il est super bizarre le wall jump alors. J'ai réussi à en caser un, je sais même pas comment. Qu'avant pour les placer. Bon bref, pour l'instant il n'y en a pas besoin donc ça va. Là on pouvait rien faire. Morphing Ball! J'ai envie de dire pour l'instant du classique. Non, là on est bloqué. Ça va être un truc à la bombe ou le morphing, ça sûrement. On va revenir en arrière, de toute façon on a vu un chemin donc on va le prendre. Ah, il y a de la flotte, c'est magnifique. Ça réfléchit pas trop mal les ennemis. Par contre, moi j'ai l'air de faire que dalle avec mes. Putain, j'ai pas vu qu'il y avait une plateforme ici, putain. J'avais l'impression que c'était du vide, fallait le voir le truc. Ah putain, ça fait longtemps que j'ai pas joué un. Remake de Metroid. Allez, lâche-moi. Ok, ils se font des passes. Oh, mais merde! Ah, merci. Bon, on va y arriver, ce bordel. Non, bon. Ah, c'est cool, les phases sous l'eau sans gravity, c'est du bonheur. Je suis bloqué? Non. What the fuck? Je suis déjà bloqué. Quel est ce jeu?
Bon, bah évidemment c'est pas là qu'il fallait aller, hein, donc on se barre alors. J'espère juste qu'il n'y a pas un passage invisible à la noix que tu peux pas voir. Ah, je peux peut-être aller par là. Ouais, mais non, mais par là c'est super chaud. J'ai pas les bons boomorphing là pour passer, ça va pas être possible. Je peux pas passer ici. Bon. J'espère qu'il y avait un chemin à droite du vaisseau. Parce que j'ai juste rien vu. Ça c'est toujours pas ouvert. Bon, on va profiter pour sauvegarder du coup. Donc, on va faire une petite heure, une heure et demie de ça, et puis enfin de ça. De super Metroid Ice Metal Uninstall. Bon, le nom est complètement pourri. Il y a beaucoup de monde, c'est pas grave, je m'en fous, moi qui ai personne. Beaucoup de monde, c'est pas grave. On verra si le fait qu'il y ait Mario Maker tout à l'heure amènera plus de monde ou pas. C'est ce que nous verrons. Ah là, il y a un truc par là, par contre, ça a l'air de la boomorphing. Ah mais il y a encore des murs, mais putain, mais c'est pas possible. Je suis déjà bloqué quoi, c'est énorme. 5 minutes de jeu, je sais pas où il est. C'est quoi ce jeu? Ah non, là-dessus, putain, tu peux pas. Si je pouvais wall-jumper là-dessus, mais en même temps ça ne passe pas. Celui vous or, quand tu as. Y'a quoi là-dedans? Oh putain de... ta merde. J'ai déjà galéré pour caler un wall jump. Parce que je sais pas, bizarrement dans le jeu c'est plus dur. Oh putain. Ah là là, la baise. Je pensais qu'il aurait pu y avoir un passage secret ou un truc. Mais on a vu, je sais pas si c'est par là le chemin. Ouais, ça va bien tranquille ici. Putain, mais comment t'y vas? Comment tout à l'heure j'ai pu caser un wall jump? J'arrive plus là dans ce putain de jeu, c'est trop bizarre. Ah, ça peut peut-être passer par là, mais. Oh, putain, mais les wall jumps sont super durs dans ce jeu. C'est super bizarre. Merde. J'ai réussi par miracle tout à l'heure, mais là j'y arrive plus. Bon, ça commence bien. C'est le jeu où on va mettre 15 ans pour le terminer, ça va être cool. Mais putain, mais merde! Je veux pas incriminer la manette parce que j'ai la manette Xbox One exprès pour faire des wall jump pro, mais j'y arrive pas. Alors je sais pas s'il a changé la méthode pour les faire dans le jeu parce que je trouve qu'ils sont super durs à passer. Mais vraiment super durs, hein, c'est très bizarre. Ça ne passe pas, ça ne passe pas. Attends, j'ai réussi par miracle tout à l'heure. Mais merde! Bon. Et même sur un endroit où il y a beaucoup plus d'espace. Là j'en ai réussi un, ok, super. C'est bizarre, c'est que normalement la boule morphing devrait servir à quelque chose. Et pas un truc comme ça, je pense. Peut-être avoir un passage qu'on n'a pas vu, mais en coup, je sais pas. Ça c'est un truc bizarre de merde, c'est le poivron. Tu vois. Je vais essayer le wall jump du pixel perfect visiblement, je l'ai réussi tout à l'heure mais. Mais putain de merde. Ça, je comprends pas. Je comprends pas ce jeu. Ah bordel, bon, on va pas passer par là. Enfin j'espère que c'est pas par là le chemin. C'est une blade. Je m'en suis remis d'hier, mais parfaitement, t'inquiète pas. Je m'en suis parfaitement remis. Bon. Je sais pas. Eh, je suis où mon niveau Kaizo, hein. Bon alors par là, c'est bizarre, on est bloqué. Moi je veux bien, mais. Je peux pas aller à gauche. À droite c'était bloqué, bon. Je vais retourner à l'endroit de la boule morphing et peut-être un peu se cacher, salut Sam. Comment tu vas? Visiblement il y avait un passage pour aller en bas d'après la carte. Alors est-ce qu'il n'y a pas un truc ici par exemple? Ce serait vraiment un truc, non. Ah, c'est nul bordel. Mon dieu. Ah là par contre il y a encore un upgrade ici. Ah il est là-dedans le machin, je suppose que c'est ça l'upgrade. Ah
Ah, quand t'as pas le X-Raviseur, comment tu galères? Ouais, alors après, c'est que le début, Vlad, donc je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai tapé dans les meilleurs, hein. Enfin, j'ai regardé sur internet et j'ai regardé dans le celle qui était le mieux noté. C'est qui méritait qu'on y jette un coup d'œil, celle-là, on faisait partie. Elle date déjà d'un petit peu, hein. Je crois que c'est 2012. Je crois. Visiblement, je peux pas le prendre, l'upgrade, bon, bref. D'accord, je suis un petit peu plus au sud de tout à l'heure. Ok, bon, ça logique, les missiles. C'est quoi la philosophie de Tetromac? C'est vraiment basé sur l'exploration, visiblement. Assez, on va dire, pas entre guillemets monde ouvert, mais visiblement, il y a moyen de. C'est vraiment basé sur l'exploration, il y a beaucoup plus sur l'exploration que sur les combats. Visiblement, il y a pas mal moyen de se perdre aussi, d'après ce que j'ai compris. Donc, nous verrons. Basé sur l'upgrade. Ah, bonjour. Bonjour Torizo. Comment ça va Torizo? Bon, pour l'instant la récupération d'items a l'air assez classique. Ah non, le tricheur, le gros vilain. Ils ont baissé les dégâts aussi des miss, des rayons et compagnie, d'après ce que j'ai compris. Bon, bien joué. What? Attends, je vais quand même pas crever contre lui. Oui, bah par exemple, j'ai l'impression que mon rayon de puissance il fait que dalle. Parce que normalement, il serait déjà mort hein, dans le Metroid normal, il serait déjà dead, je pense. Largement. Il a l'air robuste le bestiau. Ah, ça y est, je pense qu'il va bientôt en voyage. Moi avec. Non, c'est bon. Ouais, c'était écrit. Il y avait marqué pas de tricks particuliers, donc il disait qu'il fallait juste savoir faire le mid air bull morphing, c'est-à-dire ça. Sinon, tu vas sur Metroid Construction et tu regardes Metroid Construction Beta, enfin la version bêta de leur site. Et c'est marqué, il fallait juste le mid air bull morphing et peut-être le wall jump, mais le wall jump il a l'air vachement bizarre dans ce jeu. J'ai un pistolet à eau, ouais, sûrement. Ouais. C'est 25 d'attaque, même pas stabé tout rien, bref. Mais il disait que même les niveaux de dégâts des machins c'était assez faible. Donc nous verrons. Ah, ils ont juste dit qu'il fallait savoir faire le mid-air bull morphing. Ce qui est assez simple à faire. Donc, mais c'est pas un truc difficile, hein, j'ai pas pris un truc infaisable à la redesign. Voilà, par exemple là, voilà, faut savoir faire ça. C'est pas non plus ultra compliqué, mais bon, faut savoir le faire. Alors la question c'est où est le passage secret ici? Je pense que... Mais merde! Je pense que ça doit être par là du coup. Oh! Oh! Faut des missiles. What? Ah, il faut des super missiles! Ok! Putain, on dirait pas que ça ressemble à un super missile le truc. Hein. Ça ressemble pas trop à un super missile le machin. Enfin bon, bref. C'est peut-être le petit couvert qui était indiqué qui aurait pu faire la différence. Alors là, du coup, maintenant on a deux chemins possibles. On a soit on part à gauche. Soit on repart à l'endroit des trucs de secours du début, parce que ça, tous les coups, on peut passer maintenant. Ouais, voilà, donc on peut passer par là. Ou alors on va tenter de revenir. J'ai envie de voir un truc avant. C'est passer à gauche, ici. Parce que, vu qu'on risque d'être bloqué par un mur, il y aura peut-être une upgrade ou un truc. Raisonnons en termes de niveau. Si à gauche, vous voyez, on va être bloqué dans une salle ou un truc comme ça. Salut, j'ai buzz. Ça risque d'être une petite salle, donc on aura sûrement un upgrade ou une connerie. Ah, on peut pas passer en fait, d'accord, ok, c'est la baise. Donc bah j'ai rien dit, hein. Ça semblait logique pourtant. Mais bon, visiblement... visiblement non. J'aurais parié, j'aurais perdu. Hein. Donc il y a déjà une upgrade qu'on peut pas récupérer super missile. Bon, je vais pas la noter, hein, parce que ça sert à rien, mais... En tout cas, bon, pour l'instant, ça a l'air plutôt logique. Y'a quoi de particulier ce hack? Je t'invite à regarder... Metroid Construction, enfin il est pas mal basé sur l'exploration visiblement. Après il y a les dégâts des rayons qui ont été baissés, bon il a pas l'air très compliqué mais c'est beaucoup basé sur l'exploration. Visiblement il y a pas mal de possibilités de se perdre, il faut un petit peu réfléchir etc. Donc nous verrons bien. Je découvre, c'est pas un truc basé trop difficile, il faut juste savoir faire ça visiblement.
et peut-être un petit peu de wall jump, mais vu qu'ils sont bizarres dans ce jeu, je ne sais pas. Voilà, c'est... Ah, faut-il faire un double... Ah putain, je l'avais. Ah, je peux pas me relever là, putain, je suis obligé de faire du... Je suis obligé de faire du double machin là, bon. Ouais, ouais, vas-y. Mais il y a un nouveau site, alors tu cherches la bêta directement ou... Moi je suis tombé, enfin c'est mieux expliqué sur le site, en, leur site en bêta. En tout cas. On est toujours à la surface, donc l'équivalent de Crateria je suppose. Alors les wall jump par contre c'est super chelou, parce qu'avant j'en calais trop facilement, mais... Alors je sais pas si ils ont changé la façon de le faire dans ce jeu, parce que putain... Ça ne passe juste pas quoi. J'en passe un tous les 36. J'espère qu'il y a peut-être un upgrade après, je sais pas, pour mieux les caser. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, après tu fais sort by rating. Tu tries par note et il est dans les premiers. Il y a forcément un truc ici. Ah. Par contre, je suis passé où là? Je suis hors de la map, bizarrement. Ok, pas de problème. T'as un diapo à faire, bah bon courage. What? Ok, bon, bonjour. Salut Tarquin, oui, ça va bien, merci. À quoi tu sers, toi? Ok. Bon. Alors c'est bizarre, c'est que là, la map, elle bug. On va essayer de trouver un chemin déjà, ce sera pas mal. Ah bah toi t'es en vacances, tant mieux. Moi je suis juste en week-end, hein, c'est déjà pas mal. Eh, mais c'est wall jump, je comprends pas, c'est un truc de fou, ça passe pas. Ça passe juste pas. Bah y'a un truc là. Ah, power bomb, ok, très bien. Ah, j'ai vraiment l'impression que ouais, les tirs ils font rien du tout par contre. Bordel. Et visiblement il est en durée de vie, c'est comme un Super Metroid classique on va dire. C'est pas la Z Factor où c'était beaucoup plus long. Ça a l'air d'une durée de vie correcte. Enfin, c'est pas. Ils appellent ça, je sais plus comment. Enfin, un Super Metroid-like en termes de taille de niveau. Et pas un overall ou je sais plus trop quoi. Enfin, il y a des catégories de ROM hack. Z Factor par exemple, c'était un truc plus grand. Oh putain. Ah, me dis pas que je suis bloqué. Non, c'est bon. Les wall jumps ont l'air bizarres dans ce jeu. Alors, je sais pas s'il a compliqué le processus, j'en sais rien. Bah en fait Darkwood, si tu sais lire, il y a marqué Super Metroid et ensuite Mario Maker. Donc oui, c'est normal. Il faut savoir lire le titre du stream. Comment ça je peux pas le récupérer? Mario Maker c'est après, dans une heure et demie je pense. Saloperie. Bon, c'est cool, on peut pas le récupérer. Ah bordel de merde, non mais les jumps, enfin les sauts là, ils ont l'air super chelous. Les sauts wall jump, ça a l'air vachement bizarre. Bah, évidemment que t'es de beauté près, quelle question. Évidemment, je pense bien que j'ai déjà tout préparé, évidemment. Streamer professionnel, je te le rappelle. Et non mais les wall jumps, c'est un truc de dingue, ça ne passe pas. Hein. Je pense qu'ils ont dû changer quelque chose dans le gameplay parce que c'est juste pas possible que j'en cale juste aucun quoi. Alors que sur les derniers Metroid, je les passais tranquille quoi. Ils ont dû changer un truc dans le gameplay. Quoi, je ne sais pas, mais ils ont dû changer quelque chose. Non, par contre, faut réussir ce jump là. Mais putain, mais... Ça, je sens que ça va être génial. Je sens que ça va être génial. Ah, attendez, est-ce que je peux pas cruger comme ça? Ah bordel, je pense que ça va être plus simple pour moi. D'accord. Il y a vu que les wall jumps passent pas, je comprends pas pourquoi. Pourtant j'ai fait un wall jump bordel. D'accord, ok. No problème. Non mais si tu dois pouvoir break, mais ils ont changé la mécanique du wall jump, j'ai l'impression que ça marche pas comme d'habitude. Ah c'est bon, d'accord, c'est passé. C'est ce qui est bizarre, c'est que je le passe une fois sur 10 000 quoi. Et pourtant je prends une autre ROM hack de Metroid, je le passe tranquille hein. C'est ça qui est vraiment bizarre. Pas de changement sur les wall jump. C'est quand même curieux parce que je galère pour les passer, donc c'est quand même assez chelou. Bon, je suppose que c'était par là. Hein.
Plouf! Ah bah d'accord, sympa le jeu. On a fait plouf. En même temps, on pouvait pas l'anticiper le pouf, hein. On pouvait pas l'anticiper le pouf, donc bon bah écoutez, hein. Pouf. Pouf. À mon avis, c'est fait exprès pour qu'on s'amuse dans la flotte, hein. J'ai pas d'autres explications. Ah, il y a un passage secret ici, mais est-ce qu'on peut récupérer la capsule d'énergie? Ce qui est bien, ce qui est chiant dans ce niveau, c'est que tu sais pas qu'est-ce qui est mûr et pas mûr. C'est le Kaloulosu. Un effet secondaire, je ne sais pas, mais c'est vraiment bizarre, j'arrive vraiment pas à caser les wall jumps, hein. C'est vraiment très étrange. J'ai pas l'impression de pas savoir jouer, quoi, mais... Attendez, je suis où, là? Je suis bloqué, ok. Attendez, là, je suis en bout de morphing. Ouais, ils disent qu'il faut faire marcher un peu son cerveau dans ce jeu, donc visiblement on est dans la merde. Mais Redesign il est super hard, hein, comme jeu. Redesign il est super dur. Hein. On n'a pas avancé d'un cul avec cette connerie, hein, visiblement. On est toujours là. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Non, ça marche pas. Hein. Je crois qu'on a misé sur le bon cheval avec cette ROM hack. C'est un truc de dingue. C'est le level d'hier version Metroid, c'est ça, où il faut réfléchir pendant 3 heures. Vas-y mon petit, on sort de là. Bon alors là je fais comment, hein? Ah bah je vais aller par là tout simplement. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple, hein? Je me pose la question des fois. Et merde, putain. Ah le gros sac. Non, c'est pas évident de récupérer la capsule d'énergie, visiblement. Mais ce qui est bizarre, c'est que ça n'affiche pas en fait ce qu'il faut comme upgrade là pour passer. Normalement, ça passe, hein. Bon, alors faut pas rater ce jump là, s'il te plaît. La France te regarde. Voilà, c'est bon. Hello, G-Tank! Magnifique. Punition, salut office, punition visite dans la flotte, ouais, c'est à peu près ça. Eh, mais les bois. Ah, oh putain, j'ai réussi à le passer, je sais pas comment. Attention, c'était technique de professionnel. Upgrade. Et ouais, la mécanique des wall jumps, j'ai l'impression qu'elle a changé. Hein. Ou alors, c'est moi qui suis devenu tout nul. Ou les deux, hein, évidemment. Ok, à plus. Donc là, il y a une amélioration, mais visiblement, on peut la prendre. Ah non, et les wall jumps, ils sont super. J'arrive à en passer un par miracle, mais. Mais bon, il faudra que je teste sur un autre Metroid, voir si je les passe encore ou pas. Donc là, il y a une porte, là, il y a du rayon grappin, visiblement. Bon, je reteste, je reprends Super Metroid et je regarde si les wall jumps y passent parce que là c'est quand même bizarre. Bah, moi j'y arrive pas, c'est super bizarre. Alors, est-ce que je suis devenu tout bidon? Ce qui est quand même possible. C'est un bug d'ordi, faut changer d'ordi tout de suite, tu sais. Oui, c'est un problème d'ordinateur. Voyons par où là en fait. Parce que tout à l'heure il y avait une porte mais je l'ai pas prise. Ou un souci de 50-60 FPS quand j'ai les timings. Ouais, je sais pas. Là, je suis à 30 FPS hein, pour le stream, donc je pense pas que ça soit ça. Pour le stream, je suis à 30 FPS. Enfin, pour je stream en 30 FPS. Mais même sans streamer, j'avais des problèmes pour wall jumper, donc c'est bizarre. Hein. Même sans le stream, j'ai testé ce matin, ça marchait pas. Enfin, j'ai galéré. Qu'est-ce que c'est que ça? Mega Ball. Qu'est-ce que c'est que ce truc, la Mega Ball? Qu'est-ce que c'est que la Mega Ball? Oh, je peux sauter! You, la Mega Ball. En fait, c'est le Spring Ball, le truc. La Mega Ball. Eh, la Mega Ball, elle est cheatée. Je peux même sauter sous la flotte, là. Salut! La Mega Ball.
Mais le jeu est un hack, c'est un hack US, de toute façon les ROM hack c'est forcément US hein. Oui, ça va. What? Attendez, j'ai fait quoi là? Attendez. Wouah! Bah toi t'es... c'est que t'es mauvais alors Vlad. Attendez, comment j'ai fait ce super mouvement là? Attendez. Je comprends pas. Alors j'appuie sur B, ça charge. J'appuie sur B, la boule elle charge. Boule turbo. Ah ouais, c'est une boule turbo. Wow, what the fuck. Ouais, c'est une boule turbo visiblement. C'est ça, c'est une boule turbo. Comment c'est craqué? Comment c'est cheaté? Bon, la boule turbo elle se manie bizarrement, mais bref, c'est une boule turbo. Ah putain, ça se met trop bizarrement la boule turbo. Comment je sors de là, moi, s'il vous plaît? Au secours. Oh, mais putain, mais. Oh, c'est de la purge, mon gars. Ouah, mais attends, il a fait des trucs trop. Ok. Ah, est-ce qu'on peut sortir par le haut, tout simplement? Oh là là, putain, je me compliquais très. Je croyais qu'il fallait faire une manip de merde à la boule turbo, putain, je pense que demain on y était encore. Oh putain, par contre, la vie part vite, hein. Alors, elle est où l'autre porte? Mais les wall jumps, je testerai avec une autre ROM hack, je reprendrai Z-Factor, le machin, je vais le plier, hein. Ah, c'est cette porte qu'on a pas prise. Ouais, ça doit être une sauvegarde, je pense. Très honnêtement, ou un terminal de carte. Ou les deux. Ou une recharge, ou un truc. Enfin, pas un truc qui sert à grand chose. Oui, il y a une porte au-dessus là. Bon, visiblement, on peut la voir que par le haut, le machin. Donc, on aurait raté une porte en haut? Comment ça? C'est bizarre. Mais pourtant c'est pas compliqué hein, faut que t'installes faut que t'aies Lunar IPS Vlad. Faut que tu télécharges une version de Super Metroid US Unaided, je sais plus trop quoi, enfin un truc je panique pas là non. Et ça marche après, normalement ça marche hein. Donc d'après la logique, il y a une porte sous les pics en fait. Il y a une porte dans les pics, mais bon, je vais pas m'amuser à aller dans les pics. Ah, y'a pas un truc là? La porte elle est dans les pics en fait, mais bon. Je vais pas m'amuser à y aller, hein, parce que j'ai plus beaucoup de vie. Ou alors on fait une safe state du mal, et puis hop, puis on va voir. On va voir des fake pics quelque part ici. Bon, bah visiblement non. Hein. Il doit y avoir une porte quelque part, mais je sais pas pourquoi. Elle y est pas. Donc, du coup, on a fait quoi ici? On a fait pas mal de choses. T'as déjà patché le jeu de base, tout fonctionne sauf la démo du jeu qui se lance au bout d'un moment et le jeu en lui-même. What? What? J'arrive à faire des wall jump maintenant. Alors est-ce que c'est la boule turbo qui redonne les wall jump ou est-ce que c'est moi qui ai eu un coup de bol là? Je ne sais pas. Par là on peut rien faire. Il est bizarre ce jeu quand même. Hein. Je pense pas qu'on y arrive rapidement. Ça par contre, je pense que ce jeu, je pourrais bien le en faire un petit peu dans la semaine, ça vous voyez. Non, le wall jump est pas revenu, hein. C'est un bullshit, je pense. C'est bon, j'ai tout. La question maintenant, c'est où est-ce qu'on va? C'est la question à 10 000 euros. Hein. Où est-ce qu'on va? Alors, est-ce que maintenant, sous la flotte... Ah, il y a un chemin ici, d'accord, ok.
Ouais, c'est très grand, hein, c'est ce que je vous avais dit, c'est des trucs super grands, je sais pas où aller. On tombe sur des salles d'une taille monstrueuse. Je pense qu'en 1h30 on n'aura pas fait grand. Oh putain, mais vas-y, mais comment tu sais qu'il y a ça, quoi? C'est quoi cette, cette sanction qui tombe là? Je vais quand même voir si à droite il n'y a pas un truc, mais. D'accord, bon bah y'a rien, très bien. On saura pour la prochaine fois. Ah, je m'en fous, hein, c'est des safe states, rien à battre. Un jeu d'émulateur. C'est pensé pour utiliser des safe states normalement, donc au safe, hein, comme on dit. D'accord, j'ai trouvé un truc qui marche pas, c'est cool. Ta planche à couper se coupe plus facilement que ton jambon. C'est quoi ton jambon encore, poivron? C'est quoi que t'as acheté comme jambon? Donc là, visiblement, y'a rien. Là, y'a rien non plus. Mais putain, mais c'est quoi ce jeu? Tu trouves des passages, mais il mène à rien en fait. Il est bon, mais un peu vieux. Dans le wall jump ça passe pas. Alors est-ce que là du coup on peut... C'était là qu'il y avait le passage secret, hein. Non. Ça marche pas. Qu'est-ce qu'on fait avec cette méga bombe là, enfin, méga boule. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. C'est compliqué, c'est de... Pour l'instant faut comprendre en fait ce qu'il faut faire. C'est les premiers pas, une fois qu'on aura compris après la philosophie de la Romax, ça devrait aller mieux, mais pour l'instant c'est chelou, hein. Putain, mais même ça j'arrive pas à le faire, ok. Mais je retesterai si les wall jumps ça vient du jeu ou si ça vient de moi tout simplement. Parce que là je pense qu'on a fait le maximum. Est-ce qu'il y avait une porte en haut à droite? Je ne pense pas. Il y avait un passage en scramble block que tu as déjà rencontré. Tu me parles d'un truc. Je ne sais plus. Ah merde, putain, j'ai raté le passage ici. Bon, je voudrais sortir de là en fait. Et le morceau d'un kilo, ça t'a coûté combien, poivron? C'est normalement du bon jambon, un kilo. Ça doit coûter assez cher. Après, t'as peut-être acheté de la merde après, ça c'est un autre problème. Mais monte sur cette putain de plateforme, merci. Un kilo, 13 euros. C'est quoi comme jambon? Voir si en bas il y avait rien. En bas à droite de la... D'accord. Ah, je pense, mais faut retrouver la zone scramble, quoi. C'est effectivement. Faut effectivement que l'item serve quelque part, nous sommes tout à fait d'accord. La question c'est où, quoi. Ah, c'est même plus un spring ball en fait qui va peut-être être utile, je pense, que la boule turbo. Parce que le spring ball, tu peux gruger la. Et là, c'était power bomb là. C'est la misère à couper. Sinon on n'a pas encore d'unité de sauvegarde, c'est assez bizarre. Ah mais il y a un chemin ici. Oh bah lol, bon bah c'est bon, on est débloqué. On s'est vraiment compliqué la vie pour rien, hein, sans déconner. Donc il y avait un chemin ici assez bidon visiblement. Ouais, je vais prendre la porte en aïe, c'est une sauvegarde. Ça sent la save. Trop facile. C'est bien, j'aurais bien aimé limite garder cette musique de cratère parce que bon, celle-là, la musique de la surface elle est cool, mais bon, au bout d'un moment. Ah, une porte missile. La question, il en faut combien dans ce jeu? 1 ou 5? Faut-il un missile ou 5 missiles? Oh, il y a un truc par là, attendez. Je pense qu'il y a du scramble là, non? Il y a un passage secret par là. Alors, est-ce qu'il y avait un passage secret dans la sauvegarde? Attends, du coup, j'ai le doute là. Je vais quand même juste checker ça, ça me paraît bizarre comme mur. On va juste checker la sauvegarde parce que je pense qu'il y a un passage secret. Vu la tronche du truc.
Il doit y avoir un petit passage secret, enfin c'est... Non. Non, ils ont pas fait les connards. Bon, visiblement... Visiblement ils ont été legit, hein. Bon, y'a rien. Je pensais qu'il y aurait quelque chose. Mais tu utilises que les mules, Vlad. J'utilise des SNES, ça marche bien. Ah. Faut 5 missiles. Terminal de carte, vraisemblablement. Voilà. Alors, finally, I get to leave this hell hole. Don't get me wrong, the surface is all cool. But I'd rather be placed on one of the big... Qu'est-ce qu'il raconte? Ok. WTF. Alors finalement j'ai réussi à partir de cet enfer. Mais ne vous méprenez pas, la surface est assez cool. Enfin, le monde où on est assez cool. Mais il aurait été préférable de placer un de ces gros... GF Space, je sais pas ce que c'est. Ok. Plutôt que de coller, de rester sur cette planète comme celle-ci. Ok. Au moins, tu sais que tu n'es, que tu dois affronter les pirates de l'espace. I'd look that dead miss packs. Bon, bref, ok. Ça a l'air d'être le développeur du jeu qui a mis son petit message. Du coup, on a même pas regardé la map. C'est quand même intéressant. Au final, le terminal de carte nous a rien affiché. Hein. C'est quand même magnifique. À part un upgrade dans la salle principale qu'on n'a pas pu récupérer. Et ça c'est quoi cette merde au-dessus là, putain. Il y a forcément un truc là. Ça vient forcément de la sauvegarde, putain je suis pas débile. Ce trou ça vient forcément de la save, merde. Ou alors c'est un putain de troll. Ou alors ça vient de là en fait. Ça vient plutôt de ce mur, je dirais. Ah bordel. Voilà, ça vient forcément de ce mur alors. Ça vient pas de la save, ça vient de ce mur. Ou alors je suis complètement fou. Ah, il y avait un petit passage secret, merci. Merci le jeu. Un upgrade quelque part, sûrement là-dedans. Ouais, voilà, putain. Ah, ça me crispe ces upgrades là cachés de merde là. En plus, c'était pas indiqué hein, qu'il y avait un upgrade ici. Quelle fourberie ce jeu. Bon allez, suivant. Alors nous sommes toujours dans la surface. Nous avons toujours le message du mec, c'est génial. Bon, y a un truc au dessus, c'est obligé. Non. Y'a pas un truc au dessus. Bon, y'a rien. Oh mais putain, on est encore bloqué. Mais qu'est-ce que c'est que ce labyrinthe. Ce jeu, ouais, il est vraiment basé sur l'exploration. Hein. L'action un petit peu moins. Là, j'ai l'impression que c'est plus trouver le chemin. Non, ça, c'est par là. Ok, bah ouais, c'était par là. Non, c'est juste du dessin. J'ai quand même envie de regarder un truc là. Il y avait un truc qui brillait dans le décor. Je sais pas si c'était fait exprès. Ça, genre, c'est pas un passage. Déçu, maître Kenobi. Ok, là par contre à droite il y a un chemin là. Oh non, 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 non. Putain, je pensais qu'il y a vraiment des pierres de l'espace ici. Ok, go. On est où là? Surface, toujours. Musique de Maridia. Ouah, mais je fais pas de dégâts, au secours. Ouais, mais c'est dingue. Ouah, mais putain, je fais zéro dégâts. Putain, c'est bizarre cet endroit. Ça ressemble à rien. Allez, 10 balles qu'on va tourner sur un cul-de-sac. Thank you.
On va la gagner. C'est le deuxième truc au super missile qu'on rencontre hein, quand même. Attends, mais comment je sors de là? Oh non, me dis pas que je suis bloqué. Non, c'est bon. Bon, on se casse de là. Bizarre. Donc là, ça mène à rien. Ok, on continue. Ah, il y a un chemin par là et ça descend encore. Bon, à tous les coups. C'est quoi, c'est missile ou pour bombe ça? Ok, c'est pour bombe. Vu que c'est orange. Alors, on va quand même essayer la boule turbo, on sait jamais. Non. C'est bizarre, on a toujours pas trouvé l'utilité de la boule turbo pour l'instant sur un passage. Ah là, il y a un truc là, non? What? On a encore Keblo, mais non. Mais ça fait 40 minutes qu'on joue, j'ai l'impression qu'on n'a pas avancé d'un pouce, c'est quand même assez dingue. Putain, il faut avoir bac plus 10 en remake de Super Metroid pour comprendre ce jeu. Donc là, on a une porte powerbomb en bas. Attends, c'est bien powerbomb ou c'est pas missile? Non, c'est bien powerbomb. Hein. C'est bien powerbomb. C'est bien powerbomb. Donc on a deux portes powerbomb qu'on peut pas péter, on a une porte super missile qu'on peut pas péter. Qu'est-ce qu'on a raté encore? Qu'est-ce qu'on a raté comme chemin? Je ne sais pas. Attends, mais... ah, j'ai l'impression que des fois les wall jumps ça passe, des fois ça passe pas, ça c'est bizarre. Donc, visiblement on n'a pas trouvé le chemin, on a rien. Early power, bon, bah, ça serait cool, mais. Donc on est bloqué, c'est bien. Bon. On est bloqué. On est bloqué. Alors le passage Scramble Block Sam dont tu parlais qui peut potentiellement exister. Je sais pas où il peut être. Je sais pas si on a déjà raté un truc. Bon. Ce truc des wall jumps ça m'intrigue quand même parce que j'ai l'impression de plus savoir jouer. Alors qu'est-ce qu'on a raté encore? Donc là on vient de la gauche. On va partir à droite. On va voir si on peut récupérer le sort d'upgrade qui a été caché là sur. En bas il y avait quoi? Alors, en bas c'était Torizo, hein. En bas on est d'accord. On va revenir au point de départ, je vais essayer de faire le fameux wall jump là de tout à l'heure. Bien. Là en bas c'était quoi en bas? En bas il y a peut-être un truc. On va aller ici. En bas je crois que là j'étais bloqué hein. Ah mais là on peut passer du coup maintenant. Ah bah c'est bon, on est débloqué, magnifique. Ok. Labyrinthe de merde. J'ai quand même à la droite, ça sent l'upgrade caché foireux. Non, je suis tellement méfiant dans ce putain de jeu maintenant. La boule turbo par contre j'ai pas encore compris son inertie, sa physique. Ah, là au-dessus y'a rien je suppose. Ouais donc c'est par là. Ouais finalement c'était assez logique de partir par là hein, au final. Là y'a rien. Mais j'ai l'impression que la map elle se... Attendez c'est bizarre, au dessus ça met que j'ai pas exploré. Alors que si je me pose là ça met que j'ai exploré. Ce qui est quand même assez bizarre. Ça me dit que j'ai pas récupéré un upgrade. What, hitbox de... Ah ça c'est gratuit. On prend. Ah mais des idées hein, y a pas mal d'idées. Bon après bon faut comprendre encore la philosophie hein. On n'a pas encore compris visiblement. Scramble. Voilà c'était sûr. Par contre je peux pas ressortir du coup. Si.
Du coup on peut pas ressortir. C'est fort intéressant tout ça. À quoi il sert lui? Attends, est-ce que lui il sert à manger le truc là? Non, il servait. Il doit, je sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'il fout là ce machin, ça doit forcément servir hein. Sinon ça y serait pas. C'est bizarre. T'as la bonne version pourtant? Bonne version du jeu. C'est bizarre, mais ça marche du premier coup. J'ai même surpris que ça marche. What? What is the fuck? D'accord. Ah, faut peut-être le tuer lui. Quoi? Okay. Je suis où là? Je suis dans Subterrane. Je suis bloqué surtout. Oh, me dis pas que c'est l'autre gros mort de sport spawn. Putain, j'ai pas de missile, j'ai rien, je suis à poil. Mon dieu, qu'il est moche. Et je peux me barrer du fight par contre, c'est quoi ce concept fort intéressant? Waouh, il fait trop mal par contre ce gros mort. Je vais rester là, je suis safe. Ouais, c'est de la laitue, c'est ça. La texture est dégueulasse. Avec un missile là malheureusement. Ah, il y a une porte à droite aussi, j'espère qu'on pourra l'ouvrir même si j'ai plus de super missile. La grosse fin c'est si tu te barres du fight par erreur. Putain t'imagines la baise. Ah bordel, mais dans la flotte c'est tellement lent comme une merde. Ouais, tu perds 15 à chaque fois, bon peut-être mieux que je reste en bas. Je vais en tirer deux, mais j'ai plus rien. C'est bon, il est mort. Easy. Je vais par là, hein, c'est la première porte. Quand que ça meurt cette merde. On reviendra après. Il y a un truc au-dessus visiblement. Non. Il y a rien. C'est quoi ça, arnaque? Rembourser là. Rembourser. C'est quoi la porte là? C'est un super missile hein. Ouais, je vais peut-être attendre avant d'y aller. Toutoulou. What? Ok. Découvert un peu par hasard celui-là, on peut se mentir. Ah, une save, cool. On va faire une petite safe tête avec. On dirait une save du vaisseau abandonné qu'on peut quand elle marche pas, c'est trop ça. Tout.
Ça déchire quand même la boule turbo. Hein. En fait, est-ce que ça serait pas tout simplement pour revenir en arrière ça? Cette sorte de sortie là. Ils font un vieux bruitage quand tu leur tires dessus. Ok, réserve de temps qu'on prend. C'est cool. Y'a rien d'autre. Oh, on a quand même déjà débloqué pas mal de trucs hein. Ah putain, la baisse, je pensais qu'il y avait un truc en dessous. Je pense que par là c'est pour ressortir. Bon, ouais, on va quand même vérifier, on va tout faire. Et après on prendra la porte super missile. En général les portes super missiles c'est pour aller plus loin. Ça débloque vraiment une deuxième partie de niveau. D'accord, des power bombs partout, c'est bien. Hein. Non non, j'y joue tranquille. C'est une ROM hack casu, tranquille. Pour le fun là. J'ai pas pour projet de runner des Metroid, hein. Loin de là. C'est juste pour jouer à la cool comme ça. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de ROM hack de Metroid en fait. J'ai toujours adoré en faire donc. Je me suis dit que c'était le bon moment pour en faire parce qu'en ce moment je joue pas mal à Mario Maker, il me fallait un autre jeu à côté. Parce que hier j'ai fait 5 heures de Mario Maker, je te cache pas que j'étais un peu mort à la fin. Donc il faut que je fasse quelque chose avec en attendant en stream. Donc j'ai vu ce matin, je me suis dit tiens je vais voir les dernières ROM hack, puis je suis tombé sur celle-là. Et je me suis dit bon bah du coup on va la faire. Hein. Donc là du coup on a le choix entre deux portes super missiles après. Qu'est-ce que c'est que ce truc? What the fuck, ok. Et les wall jumps ça ne passe pas, c'est assez fou. Attends, c'était où pour passer? T'as cru que les barils sans tête de mort étaient tous transparents? Ah, j'ai même pas fait gaffe, tu vois. Toutouloum. Ah ouais, c'est clair, le charge lui, ça serait cool. Ah, il a pas l'air transparent celui-là. Hein. Power bomb à tous les coups. Ouais, bon, on est baisé. On se fait chier à trouver des passages secrets, ça marche pas quoi, je suis tristesse. En fait une ROM hack c'est en gros c'est des gens qui créent des jeux à partir de entre guillemets de l'existant qui est Super Metroid. C'est un peu comme les ROM hack de Mario World, c'est qu'ils utilisent un logiciel Lunar Magic. Ah, donc c'est ça, c'est une modification de jeu d'origine par des fans tout simplement. Donc ils changent le gameplay, ils changent le design tout simplement des niveaux, ils changent les graphismes, ils changent pas mal de trucs. En gros c'est comme les hacks de Mario World qui existent, c'est exactement ça en fait. C'est tu crées un nouveau jeu à partir d'un jeu qui existe déjà, d'accord, je trouve un passage secret sans le faire exprès. Ah, il y a une upgrade ici. Ça se trouve le passage secret s'en est pour une upgrade. J'ai même pas fait exprès. Hein. J'ai même pas fait exprès. Donc en fait il s'inspire du background de Super Metroid original pour créer des jeux inédits. Ah là il y en a encore un. Sauf que je suis pareil qu'on pourra pas le récupérer celui-là. Speed booster. Ça marche pas avec la boule turbo. D'accord, donc là en fait faudra mettre une power bomb. Après, quand on aura le speed booster, on pourra revenir, on aura de la place pour speed booster et caler un shiny spark en fait. Donc là on a deux portes, je vais prendre celle du haut. Juste parce que en fait c'est plus près de l'autre truc que la power bomb que vous pouvez pas prendre. C'est juste une question de logique. Et on s'est rebarré d'ici. On est revenu à la surface. Ok. En fait là j'attends le moment où je vais me faire niquer où je pourrais pas revenir en arrière en fait. Donc là visiblement c'est la sortie. Est-ce qu'on part par là ou est-ce qu'on continue l'exploration de l'équivalent de Brimstar, ils appellent ça souterrain. Ah parce que là en fait je vais revenir au-dessus. Hein.
va revenir, je pense. Voilà, juste là. Bon, après, graphiquement, c'est spécial. Mais il y a aussi un hack du même développeur, c'est pour changer la couleur des trucs. Voilà, il y a un truc là, c'est obligé. Non ? What ? Mais regarde, il y a des bugs de cartes, hein. Des bugs de cartes dans ce jeu, par contre. La carte elle s'affiche plus là. Mais what ? Je suis revenu au départ ? Oh, attendez, je vais surtout pas me faire niquer. Ne surtout pas toucher le scramble block, hein. Oh mais c'est une blague. Putain, tous les upgrades il faut la power bomb, bordel. Bordel de fion. Attendez. Ça marche pas. Le scramble block c'est pour revenir en arrière je parie, donc c'est pas vrai. Il est bizarrement fait quand même, bizarrement fait la map, hein, parce que je sais pas comment tu peux te retrouver là, mais bon bref. Pourquoi pas. Ok, donc on a fait tout ça pour rien. J'aime. Donc du coup on a le choix entre deux portes super missiles maintenant. Je vais regarder un truc avant. C'est est-ce qu'il y a un truc au-dessus là ? Non, j'ai pas l'impression. Mais hé ! Ouvre de porte ! On est toujours dans subterrane là, d'accord. Waouh ! Moi j'ai rien fait. Hein. Moi j'ai rien fait, monsieur. Oh, c'est la musique du Warcraft Ship quand il fait peur ! Donc on peut aller en dessous. Ah merde, j'ai voulu tenter un petit saut du charisme. Oh, ça passe. Je prends trop cher en dégâts, c'est assez fou. Ok. C'est quoi ce bug au-dessus là? Regardez, j'ai des chiffres jaunes qui sont apparus. Salut Niluche, comment tu vas? Ça a l'air d'une porte violette, ça, non? Ah putain, je le savais! Voilà, par contre, il y a un gros mort en dessous. Ok. On est passé. Attends, c'est un cul-de-sac. Ça va bien, merci. Et je fais tout ça pour rien, c'est la question à 10 000 dollars. Visiblement oui. Ah d'accord, c'est juste une élimination de zone, donc j'ai rien dit. What? J'avais le bruit du speed booster, c'est quoi ce bug? J'avais le bruit du speed booster, je l'ai entendu, je suis pas sourd. Hein. Ah, et j'en ai plus, la pèse. J'ai bouffé le dernier sur la porte avant. Oh là là. Ok, bah tu verras, ça change le Mario Maker. Bon, il me faut un super missile direct là. C'est de l'exploration 2D classique. Tout simplement. Et là, c'est une ROM hack, donc c'était un jeu fait par des fans. Enfin, un fan en l'occurrence. C'est vraiment basé beaucoup sur l'exploration plus que sur le combat. Et j'ai besoin d'un super missile là, bordel. Sauf que eux ils vont pas m'abandonner ces gros connards. Ah ouais, putain, il fait rien du tout. Enfin, ah merci, t'es gentil. La question c'est est-ce qu'il en faut qu'un seul? Je pense pas qu'il en faille qu'un seul.
Donc on va essayer d'en farmer d'autres. On va essayer d'en farmer d'autres. Ouais, parce que je pense qu'il en faut 2 ou 3. Vu comment il a organisé le truc. Ouais, voilà, c'est ça. Donc là, en fait, vu que j'aime bien les jeux Metroid, particulièrement Super Metroid, j'adore refaire des. Enfin, j'adore faire des ROM hacks. Donc, c'est-à-dire des jeux créés par des fans qui reprennent le gameplay, tout ça. Donc là, c'est sur émulateur. Donc, je vais quand même vérifier s'il en faut un ou plusieurs. Ah non, il en fallait qu'un. Ok, bah, c'est cool. Donc là, en fait, on est sur émulateur directement. Donc, c'est un jeu que j'ai. Qui se télécharge. Après, faut patcher un Super Metroid original. Donc, c'est pour ça que des fois, tu vois marquer save states, etc. C'est juste que là, vu qu'on est sur émulateur, j'ai pas de scrupules à utiliser des save states. Et vu que c'est un jeu purement émulateur. Donc voilà. Ok, donc là on a récupéré un peu de vie, c'est cool. La question c'est qu'est-ce qu'il faut faire ici? Comme c'est que là on voit pas grand chose. Donc je vais jouer, je pense, encore une demi-heure Diluge et après je passerai à Mario Maker. Aussi ça. Voilà, en fait là ils ont juste changé la, on va dire, la palette de couleurs, parce que graphiquement ça ressemble pas trop à ça Super Metroid, mais c'est du 16 bits. Ah, ils vont apprendre à faire les wall jump, magnifique. Et je sais toujours pas les faire. Et puis, on me dit pas que si j'ai besoin de faire les wall jump, s'il vous plaît, quoi. Mais putain, mais les wall jump avant ils passaient crème dans ce jeu, je comprends pas. Ah, oh, putain, on est bloqué en plus, c'est génial. On peut ressortir au cas où. Oh là là, ça va être génial. Mais putain, mais je comprends pas. Ah, je crois que j'ai compris. En fait, tu peux pas wall jumper. Non, attends. Attends, j'en passe un, c'est un miracle en fait. Je comprends pas. Je comprends pas. Bon, je vais gruger, hein, vous inquiétez pas. Je regarderai pourquoi les wall jump ils passent pas chez moi, parce que. Là par contre je suis obligé de caler un wall jump. Je vais faire une safe state, hein, safe state du mal évidemment. Mais je comprends pas pourquoi ça ne passe pas. Est-ce qu'il faut attendre le saut? Non. Ah putain, je suis retombé comme une merde. Je sais pas pourquoi ça passe pas là sur ma version. Les wall jump avant je les calais super facilement et là j'y arrive plus, donc c'est cool. Putain, j'ai réussi à en passer 2, miracle. Ouais, le tricheur, t'as vu ça? Ah merde. Mais pourquoi ça passe une fois sur 1000? Pourquoi ça passe une fois sur 1000 dans ce putain de jeu, quoi? Je comprends pas. Je comprends pas, avant je les enchaînais, mais comme je voulais les wall jump, et là. Ah! Alors, ça marche mieux avec le joystick, visiblement. Je sais pas pourquoi. Alors là, il y a un passage par contre à droite, vous voyez. Bonjour, c'est quoi ça? Oh, il faut une power bomb, putain. J'ai réussi avec le joystick et pas la manette, c'est bizarre. Hein. Et pas la flèche, c'est le jeu. Ok, donc là, faut. Putain, mais y a combien de fois il faut la power bomb dans ce putain de jeu? Il y a des trucs que je comprends pas, hein, les wall jump. Alors, est-ce que c'est la manette de Xbox One? C'est bizarre parce que je l'ai prise exprès parce que les wall jump sont beaucoup plus simples à faire avec celle-là. Je vois rien dans ce niveau, c'est un truc de dingue. Je sais pas pourquoi ça passe des fois non. Et tu meurs toi? Non, c'est quoi ça?
Ok, c'est bon. On va y arriver. Sûrement une sauvegarde ici. Ah, une upgrade. Cool. Bon, facile. Et je sais pas pourquoi, par contre, on a ces petites barres jaunes au-dessus. Ça doit être un bug du jeu. Mais je m'en renseignerai quand même sur pourquoi les wall jumps ne passent pas. Ça m'inquiète. Est-ce que ça vient du jeu? Est-ce que ça vient de moi? Alors, est-ce que c'est beaucoup plus précis qu'avant? Je sais pas, franchement, c'est... File-moi super missile, s'il te plaît. Foiré. Donc là, il y a un truc au-dessus. On va plutôt prendre celle-là d'abord. Voilà, une petite sauvegarde. Save complete. On va faire une save tête en plus. On va vérifier qu'il a rien foutu dans la sauvegarde, parce que des fois... Bien mettre des pièges, des passages secrets, bon, il n'y a rien. Ça a l'air legit. Ça a l'air legit. Les bims feront moins de dégâts. Génial. Alors, on a deux choix, gauche, droite. Théorème de la droite, évidemment. Nous partons à droite. Oh non! Ah non, c'est bon. Oh, t'es agressif, toi. Il y a encore une porte, merde. Visiblement faut speed booster plus tard. Oh, un cadeau. D'accord, triste. J'entendais que ce soit un meilleur cadeau que ça quand même, hein. Y a pas un autre truc. Ça me semble trop Ah non mais je suis pas né de la dernière pluie, monsieur, hein. Je ne suis pas né de la dernière pluie, monsieur. Putain, ça fait déjà deux réserves de temps qu'on ramasse, hein. Normalement il y en a 4 dans un jeu complet, et là ça fait déjà 2 en une heure. C'est bizarre. Est-ce qu'il y a encore un troisième truc? Est-ce qu'il y a encore un troisième truc? Ce qui serait quand même complètement fou. Là. Non. Oh! Énorme. Je pense pas qu'il y ait de quatrième truc non plus, mais... trois trucs, c'est déjà pas mal. On a récupéré trois choses en une seule fois, 10 missiles et un réserve tank. Donc là il y a un truc, mais c'est speed booster, donc c'est mort. Donc on a au dessus encore ou super missile. On va prendre la porte super missile, peut-être une salle de recharge ou pas. Oh putain, eux je les aime pas. Donc en fait les réserves de tanks, ça fait un peu l'effet des fées dans Zelda, hein. Si on meurt, en gros ça nous redonne de la vie. Et la vie on la charge en tuant des ennemis et en récupérant ce qu'ils donnent quand ils meurent. Il y a un truc là, non? Non. What? C'est quoi ça? Ça ressemble au grappin, non? Au X-ray viseur, je sais pas. Ça ressemble au... ouais d'accord, enculé, va. Tu vas te mettre un bonus en plein devant toi, c'est rare, hein, qu'il mette un bonus comme ça que tu puisses pas récupérer. C'est soit le grappin, soit le X-Raviseur, je pense, ça ressemble en tout cas. Ah, attendez, je vais quand même tester la boule turbo parce que... non, ça marche pas. Hein. Non. Le casque d'Odin. Bon. Un bonus qu'on peut pas récupérer. Ah, un terminal de cartes. Est-ce qu'on va encore avoir un autre message? Et il sert à rien le terminal de carte, mais c'est quoi? C'est quoi ce jeu? Terminal de carte qui t'affiche rien, c'est nouveau. C'est très à la mode. Il était pas lui tout à l'heure, si. Il était au début. Et le pire en tout ça, c'est que je crois qu'on a même pas fait l'autre. On avait deux portes super missiles au début, hein, comme choix. Alors je sais plus où exactement dans cet endroit, mais on avait deux choix.
Alors par contre, où était le premier choix, je sais plus. Hein. Je crois que ça doit être à gauche. Tout à gauche de la map. On va revenir en arrière et tout revérifier, mais bon. J'ai un peu la flemme. Oh putain, mais les dégâts, mais c'est cancer, quoi. Non mais, hé. Ah, si les billes me font encore moins de dégâts, c'est génial. Hein. Oh, un ascenseur! Je veux. Sauf qu'il faut que je vole jump ici, visiblement. Voilà. J'arrive mieux avec la manette, alors avec le stick directionnel, je ne sais pas pourquoi. Ah ça y est, en fait la carte s'affiche, mais pas là-dessus, c'est what the fuck quand même, hein. C'est un peu what the fuck. Je sais pas pourquoi la map s'affiche en rose. Rose, ça veut dire normalement que tu as déjà parcouru le truc. Hein. Donc ça on le prendra après. Visiblement il y a une upgrade au-dessus. Il y en a même deux visiblement. Beam stacking in ice. You get the effect of all beam. Oh là, là faut le grapple hein, là visiblement. Là c'est le grapple. Je vais quand même juste voir parce que je suis curieux. Oh, visiblement il n'y a pas besoin du grappin hein. Je passe tranquille. Ah. Par contre il y a un passage secret au-dessus. Ouais, une réserve de recharge, enfin une recharge de missiles, super. C'est bizarre, le truc il est devenu rouge au-dessus, regardez les petites barres là. C'est quoi ce bug? Ça va même pas recharger mes super missiles, connard. Les rayons ne s'additionnent pas en puissance là. Oh là, y'a un truc là. Non. Ah, peut-être vraiment le grappin au final. C'est bizarre parce qu'il y a un. Il y a l'air d'avoir un truc caché, mais quoi, je sais pas. Le problème, c'est que j'ai détruit toute la lumière donc. C'est vachement pratique. Quelques dégâts, donc ça veut pas dire non plus de gros dégâts. Bon, je vais voir où ça mène ça. Je suis curieux. Est-ce que ça nous ramène à la surface? Quoi, je prends des dégâts? Voilà, j'ai entendu la musique des dégâts, je suis pas fou, j'ai pas rêvé. Sale item, what? C'est quoi ce jeu? What? Je suis où? Oh! Non! Non, je te veux! Je te veux! Fils de... J'ai pris 70 HP, putain la vache. Je sais pas pourquoi d'ailleurs je fais 70 HP. Oh non, eh, je suis pas préparé pour ça moi. Ok, on est mort. On est mort, on est mort, on est mort. Oh putain, c'était un fast cycle en plus la baise. Là mentalement je suis pas prêt hein. Mais putain mais je l'ai touché là bordel. Ok je suis mort. Ah putain ça en bouffe 40. T'es pas sérieux là. Ah sorry. Ah bah je suis mort putain. Attends load state. Hop merci. On se casse. What the fuck? Attendez, faut quand même pas se farcir l'autre gros mort là. Ah, heureusement que j'ai fait une safe state avant, hein, putain. Comment je fais là?
C'est quoi ce gros mort de sport spawn qui sort de nulle part là? Et que visiblement il faut faire hein, parce que sinon t'as pas la power bomb. Hein. Il a l'air faisable, ouais, mais il a l'air faisable, mais putain. Il a l'air faisable, mais les flammes qui t'enlèvent 40 de dégâts, ça fait mal. Hein. Ah là, j'ai pas pris de dégâts là. Non, c'était où le chemin? Ouais, sport spawn il retourne à l'état de salade, mais là c'est pas sport spawn, là c'est fantôme. Enfin fantôme plutôt. Bon, visiblement ça vaut le coup hein, mais pour bon, putain sa mère. Pas moyen de gruger la porte. Non, est-ce qu'il est toujours fast cycle le machin? Mal, il fait trop mal les gens. Mais putain, mais je l'ai touché là. J'ai déjà plus de 45 points de vie. Moi je veux bien, mais il doit y avoir un safe spot. Oh, de la vie! Ah, d'accord, j'ai pris plus cher en allant la récupérer que. Oh putain. Ta vie, je sais pas, on ira voir. Visiblement, là j'ai l'air assez safe. Là, quand je dis ça, je vais crever dans deux secondes. Mais... Allez, putain, activité. C'est quoi, gros mort? Oh putain, toutes les flammes qui ont esquivé. Ah, là, ça a l'air d'être safe par contre. Ok, j'ai rien dit. Oh putain, le super qui va passer! Tristesse infinie. Oh! Lol. Ah, j'ai plus rien. Ah, il va me faire son attaque de merde là normalement. Comment je t'esquive ça? Ah, la grossière erreur, faut jamais activer le. Faut pas attaquer au super missile visiblement. Visiblement, c'est la faute! Bon, je vais retourner à droite parce que c'est safe. Enfin, safe. C'est le coin le moins unsafe du niveau. Non, il est prenable un sport spawn, mais bordel. Bordel, c'est chaud, hein. Ouais, prenable, prenable, prenable. Putain, les flammes de merde par contre. Ah, il est en plus, ce boss est random quoi. C'est pas comme s'il avait un pattern prédéfini quoi. C'est monsieur random. Et j'ai pris super cher. Oh mais putain, mais je l'ai... Oh non, oh là là là. C'est vraiment que l'œil hein. D'accord, le mec il m'a popé dessus. Oui, c'est fantôme, ouais, c'est ce que j'ai dit, oui. J'ai peut-être fait un abus de langage, mais je sais que c'est fantôme, t'inquiète. Oh putain. Mais... Saleté, bah. De la vie, il me faut de la vie, il me faut de la vie, il me faut de la vie. Merde. Oh putain. Jeu de merde. Bon, dès qu'on réussit à battre Fantoon, on passe à Mario Maker. Ce qu'il faut commencer à faire, c'est à se remettre de la vie en fait. Ah bah d'accord, bien joué. Ah mais bordel, mais il casse-couille.
Ouais, ça va me débloquer pas mal de trucs effectivement, mais... Oh mais putain, mais... Et le mec il a le don pour me popper dessus quoi. Ah j'espère que c'est la bonne route hein. Presque mort, mais moi aussi. Je prends une flamme, je sais la fin. Non! Il y avait une flamme qui a dû popper juste derrière son corps, putain. C'est en fait, je pense que si j'avais 3 capsules de vie, on l'aurait déjà torché, mais le problème c'est que je démarre, j'ai une capsule, donc c'est un peu juste. C'est ça le problème, hein. Si je démarrais avec full life, je pense que c'est plié. Hein. Oh mais bordel. Non mais c'est quoi ce pattern là? C'est quoi ce pattern? C'est quoi ce pattern? D'accord. Oh lolo mais lol. Ouais vas-y je suis mort. Ah, alors là j'ai rien pu faire. Ouais. La dernière save, ouais mais la dernière save faut toujours... J'avais plein d'items que j'avais pas récupéré donc... ça me fait chier de tout faire. Hein. Non mais ce qu'il faut juste c'est que je farme de la vie mais y a pas de spot à vie quoi. Non, ça... Y'a pas de spot à vie. Oh putain mais... Il a le chic pour faire son gros mort d'entrée hein. Salut Abyss Omega, comment tu vas? Bah il a pris un peu cher, moi avec. Bon, faut farmer la vie là mais le problème c'est sur cette merde tu peux pas trop. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Oh non, il a la flamme qui pop dessus quoi. Oh il a pris cher là. Je pense que là il a pris cher. Oh non, je l'avais là. J'ai encore la réserve tank, ça faisait longtemps peut-être. Oh, file-moi de la vie, putain. Oh putain. Oh, oh non, c'est cruel. Comment je me suis fait baiser, mais violent. Hein. Attendez, mais j'ai combien dans mon réserve tank en fait? Ah, j'ai que 31, moi, effectivement, on va pas aller très loin avec ça. Y a pas moyen de farmer de la vie. Hein. Y a pas moyen de farmer de la vie. Ah le boss qui pop dessus. Ce sont des choses qui arrivent hein, comme on dit c'est le direct. Bah en même temps Vlad t'as déjà même pas le variasuc là donc heureusement qu'il a moins de vie que l'original. Non je pense qu'il en a autant que l'original hein. Non tout ça pop dessus. J'espère qu'il en a peut-être moins hein. Allez tu ouvres ton oeil là. Ah putain, là c'est mal parti. Hein. C'est très mal parti. Oh mais putain, mais. Ok, j'ai fait de la merde, on va recommencer, ça sert à rien.
Allez, putain. C'est scandaleux. Ah ah! Est-ce que je peux rester là-haut? Je suis safe! Je pense pas, mais. T'as pas le charge bim déjà, t'as rien, t'es tout nu. Putain de bâtard. Mais putain, mais là je me dis pas que je. Ouais, d'accord, je l'ai un peu touché. Je m'attendais pas à l'avoir ce fight en fait. Je serais un peu mieux préparé sinon. Il va me popper dessus, mais quel fils de pute! Et les flammes qui te redonnent pas de vie, hein. Mais putain. J'ai plus que 3 points de vie, c'est cool, j'y crois. Oh lol, ok c'est bon. On est bien. Fait comment pour jouer à une ROM hack? Bah faut la télécharger, après faut patcher Super Metroid original, ça marche. Merde putain! J'étais pas prêt. Oh, il est presque mort là bordel. Oh! Non, meurs, meurs, meurs! Non! Je crois que t'as eu double kill! Putain, il allait crever, hein, je suis sûr! Mais quel fils de pute, putain! J'étais sûr de l'avoir là! Mmh, que j'arrive ou que j'arrive pas, à 16h on passe à Mario Maker. Hein. D'accord, ça commence bien. J'ai fait une bonne. Ah merde, j'étais pas prêt. Ok, il y a de la vie, c'est cool. Là, il vrai. Mais putain, mais. C'est quoi cette hitbox dégueulasse? Docteur Neko. Encore 5 minutes. Ah. Quoi? Comment ça? Alors là, il y a des trucs que j'ai pas compris là. J'ai perdu ma réserve tank, tout va bien. Et je suis mort, super, les putains. C'est génial. C'est quoi ce boss fini à la piste quoi? Ah d'accord, ça enlève déjà de la vie ça. Bon. Sans déconner. Mais je pense que mon spot il est bon hein. Je pense que mon spot il est bon. Je pense que mon spot il est bon, mais vu que je suis pas préparé pour ce fight. Mais lol, mais. C'est quoi ce pattern qui existe pas? Je suis déjà dans la grosse merde. Filme-moi de la vie! Ils sont pas très généreuses en vie les flammes, hein. Y'a une qui me tombe dessus, normal. Et non, je suis pas mort. Ça ne saurait tarder. Et y'a un souci de RNG là, sans déconner. Je vais tirer dessus là. Ok. Je pense pas qu'on y arrivera. Hein. Je pense qu'il va falloir que off stream j'aille me rechercher de la vie. Enfin, que j'aille rechercher de la vie et que je revienne après. Parce que là. Je pense qu'avec 3 capsules, le boss on l'enfile, mais facile. Mais là, une capsule 9. Ça passera pas. Une capsule 9, ça passera pas. Parce que les flammes enlèvent 40. C'est beaucoup de. C'est beaucoup de. Mais c'est quoi ce pattern?
Oh mais là je l'ai touché, bordel. Il va popper sur moi. Non. Mais what? Je faisais quoi? Je me rappelais même plus qu'il y avait de jeu. J'ai même pas vu ce qui m'a touché. C'est quand même magnifique. Je pense qu'on va passer à Mario Maker. D'accord, je pense que ça sert à rien la première phase de le toucher. Et ce boss c'est une arnaque hein, sans déconner. Ouais, j'ai réussi à l'avoir un peu, c'est cool. Putain, fiche. Oh, bon, ça vient de lui. Ouais, je la repère aussitôt. Mais putain, ça enlève. C'est enlevé. Mais non, mais. Mais what? Mais tout ça pop. Je suis dans la merde. Ouais, mais putain, mais je comprends pas les flammes. Tu les touches au rayon de puissance, elles meurent. Et tu les touches au missile, ça marche pas. Il me faut de la vie d'urgence. Ok, bon. Je sais quoi, on va passer à Mario Maker. Ça, j'y ferai une autre fois. Enfin, on y fera la semaine prochaine ou dans la semaine. Parce que là, je pense pas que ça serve à grand chose. La sauvegarde, elle est encore. Elle est un peu loin quand même. Enfin, pas trop. Un peu, mais pas trop. Ce qu'on va faire, c'est que je garde la save. Enfin, je garde la save state. Et on fera ça la prochaine fois. Parce que là, bon, je vais revenir avec de la vie en fait. Pour la prochaine fois. Parce que là, je pense que demain on y est encore. En fait, je me dis, j'étais pas préparé à ce boss. En même temps, qui était préparé à tomber sur Fantoon à ce moment-là du jeu, je ne sais pas. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va. On va passer à Super Mario Maker. Je coupe le stream du coup parce qu'il faut que je passe à 60 fps pour le jeu. Donc on se retrouve tout de suite dans 5 minutes. Allez, ciao ciao. A tout de suite.